Coucou tout le monde, je vous souhaite une bonne soirée. J'ai regardé ce soir le live de Rose Bonbon Coco. Donc pendant que je regardais son live, j'ai fait des petites ATC. Parce que j'ai promis une ATC à Christine S. Et c'est vrai que ça faisait un moment que je dois lui envoyer. Donc du coup, je me suis mise à faire des petites ATC. Donc j'ai envie de vous montrer ce que j'ai fait pendant le live de Rose Bonbon Coco. Et là, je regarde une vidéo de Scrap Titi. C'est sur son concours, là c'est les courriers vintage. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait donc ce soir comme petite ATC. Christine, si tu passes par là, tu verras des ATC, mais tu ne sauras pas c'est laquelle. Voilà. Bon, je vais vous montrer ça. Alors, je vous montre le matériel que j'ai utilisé avant. Donc, j'ai pris mes petites mousses 3D de chez Action, des petits stickers Puffy, voilà, sur le thème printanier. Des petits embellissements en bois, comme ça. Vous avez la lumière. Des petites paires de strass. Et j'ai pris les petites boîtes de chez Action. Je vais la refermer pour pouvoir vous la montrer comme il faut. Si je retrouve la boîte. Son couvercle, ce serait bien que je retrouve le couvercle. Où est-ce que c'est foutu? Bref, elle est là. Il était caché. Donc, voilà, pour pouvoir bien vous la montrer. Donc, j'ai utilisé des petites décorations comme ça. Voilà. J'ai fait mes petites cartes artistes. Artist Trading Card pour les ATC. Donc j'avais commandé à la Fédule. Oui, c'est. La Fédule. Bref. Je l'ai dit dans une vidéo. Donc voilà, pour faire mes ATC. Parce que j'en avais commandé une autre, mais je la trouve. Attendez, je vais vous la montrer. Je la trouve trop grande. Oh non, quoique. J'avais commandé celle-ci. Celle-ci que jolie aussi. Hein. Mais j'avoue que je préfère celle-là. Donc, elle rend comme ça, avec la petite fée sur le côté. Elle est vraiment trop chou. Et c'est pareil, je m'étais donc commandé les dies ATC. Donc j'avais déjà des ATC de préparer, mais j'avais pas coupé pour faire mes. Pour coller derrière mes cartes. Donc il y a le dies pour l'ATC et le dies pour faire les cartes derrière. Ce qui est beaucoup plus pratique. Et puis on tamponne et voilà. Ça, j'ai arrondi les angles de mes petites feuilles. Donc j'ai pris le 4 mm. J'ai pris celui-là. J'ai tamponné avec ma Memento noire. Voilà. On range comme d'habitude au fur et à mesure. J'ai pris ma colle Nuvo. Et je suis venue mettre sur certaines cartes, sur certaines ATC du glossy. Voilà. Donc en matériel, voilà tout ce que j'ai utilisé pour faire mes ATC. Je vais vous les montrer et vous me direz ce que vous en pensez. Donc, voilà, j'ai fait celle-ci. Et j'ai utilisé aussi plein de petites choses, des scrap copinettes qui m'avaient envoyé, qu'elles m'ont envoyé. Donc, du coup, j'ai utilisé. Voilà. Donc là, j'ai mis un petit puffy, un petit nœud, une fleur en feutrine,
des petites fleurs que j'avais faites après que j'ai regroupé, une petite perle strass fleur, des petits strass là, et j'ai mis un petit sentiment, je pense à toi. Donc voilà, j'en ai fait 5 pour la première. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Donc un petit puffy, un sentiment puffy, un petit papillon que j'ai mis en 3D, des petits strass, une fleur en feutrine, un strass fleur rouge et des petites feuilles pareil que j'ai mis en 3D. Voilà pour ma deuxième petite carte. Voilà. Ensuite, alors celle-là, c'est ma préférée. C'est celle que je préfère. Dans les 5 que j'ai faites, c'est ma préférée. Donc, j'ai mis une petite fleur où je suis venue y mettre, vous voyez, en surbrillance, du glossy sur les pétales. J'ai mis un petit sentiment puffy. J'ai mis une première découpe timbre. Ensuite, j'ai mis une découpe timbre en bois. Et je suis revenue mettre un petit puffy qui fait un petit peu timbre. Des petits strass, un petit nœud et une petite fleur. Voilà. Comme ça. Alors, celle-là, c'est ma préférée. Vraiment, celle-là, je l'aime beaucoup, beaucoup. Je la trouve très jolie. Voilà. La quatrième. Donc, j'ai mis des petits strass, une petite fleur brillante, un sentiment en anglais. Donc, fly first, alors, je sais pas si ça se dit dans ce sens-là, fly first love yourself ou first fly love yourself. J'ai mis un petit timbre bois où il y a des petits boutons dessus. Du coup, j'ai remis un petit bouton puffy et je suis venue y mettre un bouton. Voilà. J'aime bien aussi, elle est jolie. J'aime bien, elle est sympa. Voilà. Et la dernière. Donc, pareil, une fleur. J'ai mis du glossy. Voilà. Vous allez voir. Oui, on voit en surbrillance le petit glossy. Une fleur que j'avais faite. Une petite perle que j'y avais collée. Un petit papillon. En 3D, j'ai mis une petite mousse 3D, une petite fleur puffy, une petite feuille strass, une petite fleur, toujours les petits strass et un petit sentiment où j'ai mis printemps. Voilà pour mes 5 ATC. Et il y en a une ou peut-être deux, ou peut-être pour Christine S. Voilà, j'aurais mis du temps, Christine, mais je te l'avais promis, je les ai faites. Enfin, j'en ai faites, et voilà, tu auras la surprise dans ton enveloppe. Donc voilà, c'était voilà ma petite soirée scrap devant le live de Rose Bonbon Coco. Donc j'aime bien, c'était bien sympathique. Du coup, j'ai papoté aussi un petit peu avec elle et les filles. Et puis là, je regarde le live. L'ouverture courrier de Scrap Titi. Et Laetitia, je serai à ton live lundi après-midi pendant la sieste des loulous. Je ne suis pas encore en vacances. Je suis en vacances la semaine prochaine, vendredi prochain. Mais je serai devant ton live, Laetitia. Je serai là pour participer. Bon, ben voilà les filles, c'était une petite vidéo toute simple sur mes ATC de ce soir. Donc, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Et quand j'aurai fini de ranger ma scrap, je vous ferai un petit scrap room tour pour vous montrer parce que je vais avoir des nouveaux meubles. Alors, j'ai récupéré les meubles de mon fils, mais du coup, ça me sert bien. J'en ai encore un à récupérer, j'en ai déjà récupéré un. Il me reste un deuxième à récupérer. Et ensuite, du coup, je vous ferai ça, un petit tour de ma scrap pour vous montrer mes petits changements. Voilà, je vous fais des gros, gros, gros bisous. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. Bye bye.